45 CI SMG version Fake Taxi. Alors comme Fake Taxi, parce que le propriétaire, je sais pas ce qui est passé par la tête, ça va être un très grand fan. Voilà, on ne juge pas. Pour ceux qui disent je ne connais pas, du genre, hein, je ne crois pas. Donc, une belle 645 CI avec un beau noir métal. Magnifique avec ses jantes en 20 pouces HT Titzer. Avec les étirés peints en rouge. Bien équipé quand même parce que monté en Dunlop SP Sport. Vraiment pas dégueulasse. Et puis ce qui lui donne son charme, c'est ce cul là. Avec les gros échappements. 4 grosses sorties en mode version M6. Ressort HR hein, pour la tasser un peu. Elle a une pure dégaine. Calandre pas en noir. D'un coup, elle a pas grand chose finalement en équipement. Pas grand chose. Mais le peu qui a été fait dessus, elle passe de du coupé style un peu papy à une voiture vraiment badass. Vraiment. Je pensais pas qu'en si peu de choses, elle pouvait devenir vraiment méchante comme ça. Alors tout à l'heure, on va essayer voir ce que ça donne en tenue de route. Alors pour l'intérieur, un intérieur beige, je suis pas un grand fan, mais bon, quand même les beaux sièges baquets, avec les reposes de genoux rallongés. Voilà, 3 branches. Alors c'est une SMG, on passe les vitesses, on monte, et on pousse, on redescend. On va essayer ça tout à l'heure. Alors, les trucs, comme l'ancienne série 6 que j'aime beaucoup, c'est une 4 places, mais c'est une vraie 4 places, vous voyez. Les sièges arrière, c'est des vrais sièges baquets. Et ça, j'adore. Parce qu'il y en a, il y a des voitures, comme une A7 par exemple, un truc comme ça. Eh ben, c'est des 4 places, mais pourtant, la banquette, on dirait pas quoi. C'est vraiment une banquette de 5 places, mais sans la ceinture au milieu. Là, c'est vraiment des sièges baquets. Bon, on va regarder ce qu'il y a sous le capot. C'est rare d'avoir un V8. Hop, attendez, j'ouvre le capot. Avec une main, c'est un peu compliqué. Oh, il y a V8. Ça, ça fait plaisir. Alors, sur cette voiture, vous avez vu les échappements? Eh ben, elle n'a pas que ça. On voit pas beaucoup parce que c'est quand même un V8 à 90 degrés. Eh ben, sur celle-là, elle a les collecteurs 4 en 1 de chaque côté. Ligne complète et les silencieux. Elle fait un bruit. C'est un pur kiff. C'est un pur kiff. Alors, c'est les moteurs N62. Pour moi, c'est des dérivés du moteur M5, du S62. Donc, ces moteurs-là, le propriétaire, il en prend un grand soin. Ces moteurs-là, il faut les faire tourner à 10-60. Il faut arrêter le croire BM qui met de la 5-30 et tout. Quoi. C'est des moteurs qui boivent de l'huile. La M5 V8, à la 10-60, elle buvait de l'huile comme du petit lait. Alors, imaginez à la 5-30. Donc, non, ces moteurs-là, ça reste quand même des moteurs assez poussés. C'est sûr que c'est pas. C'est des bases du 4-4, hein, V8 BM. Mais le 5-50, c'est un 4-8. Et c'est sûr que pour le chevaux que ça sort, c'est pas monstrueux. Il n'y a pas un rendement comme une M3. Mais ça reste des moteurs perfo, donc faut arrêter de mettre de la 5-30. Mettez de la 10-60. Le moteur vous remerciera. C'est sûr que ça met plus de temps à chauffer comme huile ou coquesse, mais on n'est pas en train de rouler avec une Clio DCI, quoi. Ça se respecte une mécanique comme ça. On fait chauffer gentiment, etc. Donc voilà, donc elle est équipée d'un filtre KN. La ligne complète. Et ben ça l'a bien libéré. Cette ligne de série 6 quand même, c'est vraiment pas mal. Elle n'a pas vieilli quand même pour une voiture qui date de 2004-2005. Vraiment, elle n'a pas vieilli. Bon, c'est pas tout ça, mais on veut la voir rouler, hein. Allez, on fait ça. Bon, nous voilà au volant. Donc, ce qui est sympa quand même, c'est les palettes SMG. C'est vraiment le truc rigolo. Les premières sensations là, vraiment au volant, c'est le bruit qui est fantastique. C'est un kiff. Hein. On rétrograde. Ça fait un petit hurlement et tout. C'est kiffant. Les palettes, c'est rigolo. Ça tient pas trop mal la route, franchement. Je pense que le châssis est pas dégueu, plus vu qu'elle est équipée de rechargeurs HR, comme je vous avais expliqué.
ça améliore bien la tenue de route. Et puis c'est super coupleux. On accélère. Ça décolle direct. Ça, c'est tout de suite les premières sensations au bout de 1 minute de route. Bon, pas écraser les gens. Le problème avec le bruit, c'est un kiff pour nous, mais les gens, ils nous regardent en mode, soit ils sont, ils kiffent, soit ils sont là, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça encore. Sinon, vraiment, bien assis, j'aime beaucoup l'ambiance de bord, comment ils dessinent le tableau de bord. Voilà, ça c'est la génération des BM avec le e-drive. Alors, le e-drive, c'est soit on aime, soit on n'aime pas, c'est comme un petit ordinateur. Hop, on rentre, source d'info, etc., etc. C'est rigolo. Après, il y a des trucs que je trouve un peu bêtes sur ces véhicules-là. C'est par exemple, si vous voulez régler sur vous le visage ou caisse, faut aller dans air climatisé, voilà, et après répartition d'air. Au lieu de moi qui suis un mec à l'ancienne, qui aime bien les boutons, je mets sur moi. Là, il faut rentrer dans l'ordinateur pour dire comment vous voulez que ça crache l'air. La puissance, on la gère là, la chauffe aussi, mais pour où c'est que l'air sort, il faut aller dans l'ordinateur. Ça, c'est le petit bémol. Sinon, parlons de CMCMG, cette boîte SMG. Donc, c'est un peu le principe de la DSG. En plus vieillissante, ça reste c'est qu'un mono-embrayage. Alors que c'est du bi-embrayage et tout sur la DSG, c'est beaucoup plus rapide et tout. Mais déjà, c'est pas dégueulasse. Alors, pour monter, on tire. Et pour descendre, on pousse. Ça fait pas rallye. Mais l'avantage, c'est qu'on peut conduire à une main. Voilà, il y a un plus et il y a du moins. Voilà. Regardez là, attention, on va faire une petite accélération. On accélère. Il n'y a pas à dire ça pousse. Hein. On arrive vite à des vitesses inavouables là. Pas besoin de prendre le 650, je pense, vu la puissance qui nous sort. Après, elle est bien aidée, hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est quand même équipée d'un filtre KN, des collecteurs 4 en 1 de chaque côté, une ligne complète. Donc, ça a dû bien la libérer. Parce que, comme je vous ai montré là dans le coffre, donc les collecteurs d'origine, comment c'est dessiné, on imagine bien comment ça la bride d'origine. Ça va être super. Elle n'est pas passée au banc, mais ça aurait été intéressant de voir avant, après. Disons, c'est agréable. On peut la mettre en boîte automatique, mais je vous avoue, j'aime bien jouer avec les joysticks. Je me retrouve à mes 15 ans devant Gran Turismo. Donc, ces années-là de ces séries 6, c'est un peu moi j'appelle ça le renouveau de BM. On est passé de la E39 d'un coup à la E60. Là, on reconnaît un peu le design quand même des dernières, des séries 3 E90, des BM E60. Et on retrouve ce design. Vraiment, ils ont passé un cap BM. Alors, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, je suis un peu mitigé parce que j'aime bien les anciennes, mais c'est vrai que le style de 60, des dernières séries 6 et tout, j'adore. Plus, celle-là, les séries 6, j'aime bien, mais celle-là, en plus, avec son côté tout noir, elle a vraiment ce côté badass qui me fait kiffer, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Bon, malheureusement, je vais devoir bientôt la rendre, l'auto. Avec ce bruit. Je vais vous faire écouter le Cold Start. Vous allez voir, c'est un kiff. Malgré la taille imposante qu'elle a, cette voiture, elle est très, très facile à manœuvrer avec le CMG. Franchement, j'étais plein d'a priori sur la série 6. Elle me les a enlevés. Hein. C'est vraiment une voiture qui me ferait plaisir de l'avoir dans ma cour. En plus avec ce bruit. Hein. Ah, c'est un pouce au crime ce bruit. Je sais pas si on l'entend bien sur la vidéo. Bon les amis.
J'espère que ce petit essai vidéo vous aura plu. Et puis moi, malheureusement, je vais la rendre à mon ami. À bientôt. Regardez les collecteurs d'origine. Hop, on cache la lumière. Voilà. Vous voyez donc les quatre conduits qui se rejoignent en un seul et qui finissent dans le kata. Donc vous imaginez donc à la place que ça fasse que ça. Boum! Vous voyez les gaz d'échappement, comment ils se croisent, ils se tapent et tout. C'est ni fait ni à faire. C'est d'origine, c'est vraiment. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas de place, mais bon, quand même. Donc là maintenant, imaginez quatre tubes de la même longueur qui se rejoignent en un. Imaginez le gain de puissance que ça fait. Bien, ça se libère bien comme il faut, quoi.